Salut les patates, de nouveau à la friterie. Aujourd'hui, c'est Poca qui va tenir l'honneur par Super Saucer. Il revient à ses premiers amours, vous allez voir, ça déménage. Ah là, déjà la défense, elle prend cher. Beaucoup de mobilité avec Poca hein, pour essayer de vite prendre la hauteur, éviter les flèches d'en face. La belle anticipation là. Bravo. Jenkins et des parcours qui va pas faire un pli. Peut l'utiliser aussi en soutien des gros. Le kill sur le reculoir, hop, il reprend la hauteur très vite, les soins évidemment. Ouh, la mine bien placée de JB. Et c'est le plouf assuré. Ça repart. La gestion du tunnel avec Striker qui arrive. Bim. Ulti qui fait pas un pli. Hades qui a bossé qui permet de fatiguer Lucha. Laron qui essaye de venir sur la hauteur aussi. Pareil, l'ulti qui fait le ménage. Deux flèches ça suffit, vous avez vu. Hein. C'est efficace à souhait. Donc on a la IM du Saucer, c'est. Incroyable. Il soutient des gros, il a pas réussi à sauver son Lucha, mais il s'attaque à deux gros monstres. Bobber, cible. Ouh, Striker qui dégage tout le monde. Allez, ça s'est réglé. Baron qui arrive. Qui va boum boum. Allez, suivant. Vous allez voir qu'il s'est rushé aussi avec, hein, c'est pas un souci. Ah, Striker qui refait son apparition. Jet. Oh, ça c'est dur. Est-ce qu'il remonte par la droite? Son ulti, ça c'est bon pour nos affaires. Ça va faire deux kills faciles, ça. Ouh, la grosse tête sur Andro. Voilà, deux kills faciles, c'est ce que vous disiez. Hein. Le PK, le cueillir. Ah, quarterback. Ouh, sur le reculoir aussi, mais ça passe. Ouh, les grosses bastos d'Epsude, ça rentre, aïe aïe aïe. Bien sûr, la hauteur lui aussi. Ça va pas passer ce coup-ci pour mon Faya. Ouh, belle tête là. Ah, match retour peut-être. Ça va être le match retour là-haut. Bon, aidé par Polar de suite, c'est bien plus facile. Ah, je pourris la vidéo avec une petite session Discord là-haut. Virus, grosse tête aussi sur Virus à nouveau là. Le bisou, je pense qu'il est pour moi hein, parce que j'ai pourri sa game. Ah, on retrouve Ipsout encore. Mais voilà, à l'ulti, ça se règle plus vite cette histoire. Jenkins en hauteur, ça fait pas un pli non plus. Et il se positionne. Sur les soins évidemment. Pff, première tête sur Poca. Bon, on voit que Polar fait bien le taf. Hein. Petite dédicace à Crispy là-dessus. Qui nous a sorti cette compo de dingue. Et lui, qui est toujours efficace. Il n'y a pas à tergiverser longtemps. Je reprends la hauteur. Une tête sur Poca, ça règle le problème aussi. Il ne sert pas. Et voilà. Voilà, ça c'est une win à la Super Saucer. J'espère que ça vous aura plu. C'est comme ça qu'il gère Poca. Il a toujours aimé ça. Et puis, ben, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce. Et on se voit à la prochaine friture. Bye bye les patates.